it's all about humanity. Ouais. Aïe, ah, l'écran. Non, les pixels. Ah non, il va falloir changer tout ça. C'est parti. Salut mes petits escrocs, comment allez-vous aujourd'hui? Comme vous avez pu voir, mon écran sur la Game Boy Advance SP est totalement HS. C'est les tout premiers modèles d'écran, donc j'ai encore le rétroéclairage qui fonctionne, mais on peut voir que là, tout ici, vous avez les pixels morts sur l'écran, donc c'est un petit peu gênant. Aujourd'hui, nous allons faire du custom sur la Game Boy Advance SP. Donc moi, c'est une originale que j'ai depuis très très longtemps. J'en ai vraiment pris soin, sauf l'écran qui a pris récemment une petite claque. Donc du coup, j'ai décidé de custom ma Game Boy Advance SP avec ceci. Ceci est un écran IPS, donc ça va être un mini écran LCD pour Game Boy Advance SP. Donc du coup, on va avoir un rétroéclairage et une qualité d'image telle que les téléphones portables d'aujourd'hui. Donc c'est fortement appréciable quand vous jouez à des monuments du jeu vidéo tels que Golden Sun par exemple. Les Wescro, je vous présente en même temps l'écran IPS ainsi que tout le contenu du pack. Donc pour une quarantaine d'euros, il me semble, sur AliExpress, je me suis acheté ce bel écran. Faites bien bien attention parce que j'ai regardé 2-3 youtubeurs sur internet qui ont pété l'écran lors de la pose. Donc ça reste assez fragile quand même, les Wescro, à ne pas forcer sur l'écran. Vraiment ne pas forcer sur l'écran. On a ici un petit câble qu'il va falloir venir souder. Voilà, très très rapidement, j'ai le matériel nécessaire. Et ici, la carte mère de l'écran pour pouvoir avoir une qualité de rétroéclairage magnifique. Ensuite de ça, il vous faut ici, hop, je décale un petit peu la Game Boy. Il vous faut une petite mallette. Donc moi, ça fait quelques années que j'ai ceci. J'aime bien réparer mes consoles moi-même et tout, voilà. Donc une petite mallette qui peut vous donner des tournevis spéciaux pour venir ouvrir, par exemple, vos cartouches de Game Boy classique, j'allais dire Color, mais non, c'est du Game Boy classique. Donc genre votre pile Pokémon à l'intérieur ne fonctionne plus, vous aurez la possibilité de venir ouvrir ici pour pouvoir changer votre pile vous-même. Dedans, vous avez une petite mince à épiler, très très sympathique. Ici, le gros tournevis pour ouvrir les cartouches de Game Boy. Derrière, nous avons des pinces, nous avons des petits outils en plastique pour venir écarter les parties plastiques justement, une petite balayette pour enlever la poussière à l'intérieur de votre console et bien sûr tous les tournevis qu'il faut ici. Là, vous avez du Torx, voilà, ça s'appelle du Torx creusé tout simplement, et ici vous avez les tournevis spécial Nintendo en forme de triangle. Je sais pas si vous voyez, je vous montre, là vous avez du 1,5 par 50, excusez-moi si j'ai cadré encore à côté, et ici du 2 par 50. Je vous mettrai bien sûr le lien, j'avais acheté ça il y a longtemps sur Amazon, et donc je vous mettrai le petit lien dans la description également. Les Wescro, dans un premier temps, on va venir retirer le cache de la batterie avec la batterie pour travailler en toute sécurité. Je vous conseille toujours aussi de garder des petits pots comme ça, voilà, c'est ma petite technique à moi. Vous allez mettre vos vis dedans sans les perdre, surtout les Wescro. Et n'oubliez pas, quand vous commencez quelque chose, finissez-le dans la journée, sinon le lendemain, vous allez oublier. Donc là, on commence par enlever, hop, le cache de la batterie, vous allez voir. Ça s'enlève tout seul. Les Wescro, hop, on recommence. J'ai pas été assez loin. Voilà, parfait. Hop là, on peut voir que déjà la batterie est toujours d'origine. Donc à voir les Wescro, voilà. En même temps, vous avez peut-être les références dessus. Si jamais vous voulez changer votre batterie, ça vous évite d'ouvrir ça gratuitement. Je mets le petit cache ici. On retire la batterie, les Wescro. Je sais même plus comment ça se retire. Voilà, nickel. Donc la batterie a bien gardé précieusement. Moi, je préfère garder les batteries d'origine sur les appareils. Après, j'ai toujours pris soin de mes affaires. Juste derrière, vous allez venir démonter celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vous ferai un petit logo pour le montage directement. Des petites flèches et tout, vous allez venir démonter ces quatre vis ici avec le bon tournevis. Donc moi, j'ai pris le tournevis, hop, nickel, ça y va directement. J'ai pris un tournevis, on garde bien les vis, on les met de côté. C'est un tournevis en forme de triangle en 1,5 par 50 mm.
Les Wescro, on va maintenant vous montrer la carte mère de la Game Boy Advance SP. Je me rappelle, il y a à peu près une dizaine d'années, avec mon cousin, je pense qu'on avait foiré les vis que je vous ai montré juste avant, parce que on avait changé déjà la petite membrane qui servait pour le son. Donc on avait déjà changé l'enceinte que j'avais, je pense, tué il y a déjà pas mal d'années de ceci. Donc déjà, on peut voir un petit peu la console. Là, d'un côté, je vous ai enlevé directement le bouton du son qui viendra se repositionner ici, tout naturellement. Ici, vous avez la partie on-off de la carte mère, tout simplement. Et là, on peut voir que voilà, c'est vraiment une originale, qui n'a pas de modification et que c'est vraiment une Game Boy Advance qui a quelques années maintenant. Nous sommes obligés de retirer la carte mère, les Wescro, ici avec des tournevis cruciformes. Normalement, on n'est pas censé arriver jusqu'ici, donc c'est pour ça que le constructeur Nintendo a donc décidé de remettre des cruciformes. Vous avez une vis en plein milieu ici, hop, vous faites attention de ne pas griffer surtout la carte mère. Vous en avez une ici, qu'on va mettre là. Une deuxième ici. Hop là. On essaie de ne pas foirer les vis. Là, on peut voir que la carte mère commence à se décoller. Hop, on la récupère. Elles sont toutes petites, hein. Les perdez surtout pas, les Wescro. Faites bien attention. Mettez ça dans des petits bols, dans des petits sachets, comme vous avez votre petite organisation. Hop, on démonte tout ça. On continue. Hop là. Et on va arriver bientôt aux nappes de la carte mère. On la soulève délicatement, vraiment, les Wescro. C'est fragile, c'est vieux. C'est vraiment une ancienne console. Oula. Et là, on peut sentir de l'autre côté. Je vais vous montrer. Je vais tourner un petit peu l'écran. On va doucement. Vous avez la nappe. Je ne sais pas si vous la voyez là. Hop, le petit bout de ficelle qui dépasse. C'est la nappe de l'écran. Alors ça, il va falloir faire très très attention quand vous allez démonter tout ceci. Les Wescro, j'ai soulevé la carte mère. Je l'ai retournée. On a pu voir tous les boutons tomber. Le A, le B qui est ici. Ensuite, le Start Select qui sont ici. À ne pas perdre, les Wescro. Derrière, j'ai perdu le petit bouton en même temps qui était ici. Donc à ne pas perdre non plus. Vous avez la nappe à venir retirer. Ici et ici, vous avez deux petits crochets. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais essayer de soulever un petit peu pour montrer à la caméra. Hop là. Vous avez deux petits crochets à venir soulever tout doucement pour pouvoir venir retirer la nappe de l'ancien écran. À peine soulevé, la nappe de l'écran est sortie. Et donc, du coup, on a accès à un côté la carte mère et de l'autre côté, bien sûr, l'écran qui est prisonnier encore dans cette partie-là. On va devoir démonter à 100% la console. Profitez-en pour la nettoyer, changer les boutons qui ne vont pas, etc., etc. Si vous avez un petit peu de maîtrise en soudure, c'est vraiment pas du tout difficile. Vous avez les boutons L et R ici, les Wescro, A et B qui sont là si vous devez les changer, etc., etc. Ok, maintenant, vous mettez la carte mère de côté. Si vous avez des réparations à faire dessus, c'est le moment, comme je vous ai dit. Maintenant, on va essayer de démonter l'écran, les Wescro, sans perdre les boutons ni rien, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué à trouver. J'ai vu que sur AliExpress, par contre, vous pouvez retrouver des coques toutes neuves. Il y a vraiment des jolies coques. J'ai vu des coques Super NES édition. J'ai même vu celle-ci en édition toute neuve, qui avait un petit peu de différence au niveau de la couleur. J'ai vu 2-3 autres modèles bien, bien sympathiques, notamment sur Pokémon Ruby et Pokémon Saphir. Maintenant, nous attaquons le retrait de l'ancien écran. Ok, maintenant, vous mettez la carte mère de côté. Si vous avez des réparations à faire dessus, c'est le moment, comme je vous ai dit. Maintenant, on va essayer de démonter l'écran, les Wescro, sans perdre les boutons ni rien, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué à trouver. J'ai vu que sur AliExpress, par contre, vous pouvez retrouver des coques toutes neuves. Il y a vraiment des jolies coques. J'ai vu des coques Super NES édition. J'ai même vu celle-ci en édition toute neuve, qui avait un petit peu de différence au niveau de la couleur. J'ai vu 2-3 autres modèles bien, bien sympathiques, notamment sur Pokémon Ruby et Pokémon Saphir. Maintenant, nous attaquons le retrait de l'ancien écran. Passons maintenant à l'étape de démontage. Je vais devoir retirer ici, ici, ici et ici, sous les caches, délicatement, parce que j'ai que ça comme cache. Derrière, vous avez 4 vis, les Wescro, qui tiennent l'écran. On va devoir venir retirer l'écran, qui est beaucoup plus gros celui-ci que le nouveau, qu'on va devoir caler d'ailleurs avec cette petite mousse-là. Et je vous remontre en même temps l'écran IPS, qui est vraiment très très joli. Il va falloir faire un petit peu de modification, un peu de bricolage sur votre console. Il va falloir venir couper des petits bouts de plastique, etc., etc. Donc vous allez voir, franchement, si vous avez une Dremel ou une pince coupante, ça se fait vraiment très très bien, les Wescro. Alors j'ai la chance, c'est d'avoir ces petits outils vraiment très très pratiques. J'ai pu retirer assez facilement. Hop, je vous montre, je passe en dessous, je pousse, je lève, hop, et voilà. Ça vient retirer la protection caoutchouc
tic, caoutchouteux, je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas, je ne sais plus. Caoutchouteux, je crois, de mémoire. Caoutchoutique, ça n'existe pas comme mot. Westcro, tu inventes des mots. Et là, on peut voir, du coup, tout autour, les vis. Je crois qu'il y en a une encore ici. Hop là, elle était cachée, les Westcro. Donc, on peut voir ici des grandes protections. Ici, deux petites. Et là aussi, une petite. On va venir démonter tout cela assez rapidement. Là, on peut voir que l'écran, déjà, se soulève, les Westcro. Je sais pas si... Oui, à mon avis, c'est encore bloqué. Il y avait deux, trois petites charnières sur le côté de mémoire. Attendez, hop là, on fait un petit test. On peut retirer, voilà, la partie arrière de l'écran qu'on va mettre sur le côté là, avec cette magnifique Triforce. Et derrière, il y a l'écran posé juste ici. Voilà. Faites bien attention à la nappe, les Westcro, qui passe dans le petit onglet ici. Alors là, normalement, voilà, vous avez un trait tout tout fin. Faites vraiment, vraiment attention. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des objets difficiles à trouver. Si vous voulez remettre un écran d'origine ou si vous voulez modifier votre nappe, vous tournez un tout petit peu, hop là, et derrière, vous pouvez retirer la nappe. Mais je crois qu'on va être obligé, les Westcro, d'ouvrir carrément la Game Boy complète pour pouvoir venir récupérer la nappe. Vous voyez, elle est enroulée et tout. Il faut vraiment faire très très attention, c'est très très fragile. On va prendre plus de précautions et je vais tout ouvrir. Faites bien attention, en fait, j'ai découvert qu'il y avait une petite vis cachée juste ici, de cette taille-là, juste là. Voilà, je vous montre en même temps avec le tournevis. Ici, il y avait une petite vis. Vous l'enlevez, vous la récupérez, vous la mettez là. Et derrière, vous avez le petit cache ici qui s'enlève pour pouvoir retirer la nappe de l'écran. On va faire rapidement une petite comparaison entre les deux. On peut voir déjà la différence d'épaisseur entre les deux et surtout la qualité de la finition. Là, on va devoir venir recoller derrière. Je vous ai oublié de vous en parler. Il va vous falloir un petit peu de scotch double face pour venir coller hop, la toute petite carte mère de l'écran qui va vous permettre de donner un petit peu, je vais pas dire l'alimentation parce que je m'y connais pas assez, mais la puissance du nouvel écran IPS. Nous rencontrons les premières difficultés à faire du custom. Je vous montrerai très rapidement, hop, on récupère l'écran. Alors déjà, l'écran rentre parfaitement en place dans la coque de base. Donc hop, vous venez poser votre écran, vous allez voir, ça s'épouse magnifiquement bien. Je le bloque de l'autre côté, on regarde, regardez, c'est nickel. Pensez bien avant de tout fermer à venir retirer le film de protection que vous avez dessus, ça vous évitera du démontage pour rien. Le deuxième problème, c'est qu'ici nous avons la toute petite cosse à venir récupérer ici, donc il va vous falloir un petit peu de scotch double face pour pouvoir venir caler ici la mini carte mère après sur l'écran. La troisième difficulté qu'on va avoir, les Westcro, et là vous allez voir, c'est vraiment dommage, ça n'a pas été pensé par le fournisseur, c'est qu'ici vous avez des nervures qui va vous empêcher de fermer la coque correctement. Je vous montre sans forcer parce que c'est comme ça, j'ai vu que 2-3 youtubeurs avaient cassé leur écran et c'est fortement dommage pour un écran à 40 balles quand même. Ici vous avez vu, vous ne pouvez pas rentrer correctement la coque de l'écran. Vous avez la nervure qui bloque et donc du coup si vous appuyez, vous allez venir casser l'écran. J'ai trouvé ça assez rigolo quand même de voir des écrans fissurés juste pour cette petite nervure ici qu'on va venir récupérer, enlever, pardon, excusez-moi, toute la nervure d'ici, on va venir l'enlever avec une Dremel et une petite pince coupante. Vous allez voir, c'est très très facile. Les Westcro, comme je vous ai expliqué juste avant, vous n'allez pas pouvoir fermer la coque à cause des mesures de l'écran IPS, tout simplement. Vous avez la carte ici qui va venir vous gêner, les Westcro, donc du coup, on va venir enlever cette nervure tout le long de l'écran à l'intérieur. Donc là, regardez bien, hop, vous faites comme ça, vous récupérez votre coque, vous la tournez dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est cet élément-là qu'on va venir retirer. Donc ici, on prend le marqueur et nous allons bien sûr marquer toute la zone à venir retirer. Ne retirez pas tout, juste la nervure qui est ici, là, qui est en rose maintenant. On la colore, voilà, comme ça on voit bien la différence, les Westcro. Ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais je l'ai coloré en rose, c'est peut-être pas la meilleure couleur, moi je le vois à l'œil nu, mais vous, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, toute cette zone ici, là, à retirer, les Westcro, on se retrouve juste après l'avoir retiré. J'ai oublié, donc j'étais obligé de retourner la vidéo, hop là, on enlève l'écran de protection, j'ai horreur de faire ça, j'adore les conserver, ces trucs là, me demandez pas pourquoi, c'est voilà, c'est une passion, j'adore garder les trucs tout neufs. Enfin bref, ici vous faites la petite torsade pour bien passer la nappe, hein, la nappe ici, tac tac, vous faites attention de pas la pincer, on n'oublie pas en maintenant l'écran qu'on a mis une petite mousse double face pour éviter que ça bouge dans tous les sens, derrière... Ici, je vous montre, hop, on a bien découpé du coup à la Dremel. Voilà, bon, ça, il y a eu un petit coup qui a bougé, malheureusement. On vient bien récupérer et mettre la petite mousse ici.
Les Wescro, voilà, tac tac, on retient bien. Il y avait toujours un petit cache avec la vis, on le remettra juste après. Là, on va commencer par revisser l'écran. Tac, on positionne ça super bien, on fait bien attention à la nappe. Tac, tac, on appuie doucement, on va pas venir casser l'écran, ça c'est ma hantise. On vient ouvrir ici gentiment, sans que ça vienne pincer. Voilà, nickel. Hop, on a entendu le petit clips. Nickel, on va remettre les vis. Et après, on a fini cette étape-là. Une fois toutes les vis remises, on va attendre à la fin pour remettre les petits embouts en caoutchouc pour pouvoir, au cas où, si on doit démonter, refaire des choses, éviter de faire deux fois le même boulot. En tout cas, on n'oublie pas non plus ici la petite vis, comme je vous ai montré sous la nappe, là, juste là, qui vient tenir le petit capuchon ici. Derrière, on va pouvoir commencer à penser au remontage les Wescro. Donc du coup, on vient récupérer notre carte mère. Faites attention à perdre zéro bouton. Moi, j'ai déjà paumé Start et Select. Je ne sais pas où je les ai mis du tout. Ah, regardez, ils sont dedans là. On va venir aller les chercher. Et on va remonter tout ça très rapidement et très très gentiment. Alors les Wescro, j'ai dû retirer de nouveau tous les boutons pour bien mettre la nappe ici. Faites bien attention que la partie dorée soit bien sûr en haut de la carte mère au niveau des connectiques. Derrière ça, vous allez tout doucement reposer votre carte mère en n'oubliant pas de remettre tous les boutons comme moi à l'instant. Hop là, on recommence. Alors, dans l'ordre, ici, la petite protection pour le haut-parleur. On pose le haut-parleur. Je vous remontre. Tac. Ici, vous avez le tout petit trou à venir poser. Faites bien attention à pas déchirer la nappe, très 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 important les Wescro. A et B qui viennent retrouver leur place initiale. Alors le A et le B ici, tac, tac. Normalement vous pouvez pas vous tromper après pour le remontage, hein. C'est très très simple. Ici on n'oublie pas les boutons Start et Select, là là, tac tac. J'ai une pince épilée, je l'utilise pas depuis tout à l'heure, mais bref, j'aime bien utiliser mes gros doigts. Et derrière, le bouton du rétroéclairage. Voilà, vous avez des sens pour à peu près tout. Et là, vous venez poser la carte mère de la console délicatement, tranquillement. Voilà, les Wescro. Et là, on a presque fini le remontage. On arrive à l'avant-dernière étape du remontage de la console. Donc du coup, on va venir récupérer les toutes petites vis Torx. Il y en avait trois ici. N'oubliez pas les Wescro dans l'ordre du démontage. N'hésitez pas à remonter la vidéo. En arrière, j'ai pris le bon. Nous y arrivons. Hop là, un petit coup de serrage. Ah, c'est que la vis, elle est un petit peu bouffée. On va pas trop serrer fort. On récupère les deux autres. Hop, des toutes petites vis. Les perdez vraiment pas, les Wescro. J'ai pas les références des vis pour vous donner et tout, etc. etc. Alors, je crois que j'ai dû inverser deux vis. Tac. Il ne reste plus grand chose. Il ne reste que les vis de la coque, tout simplement. On vient, bien sûr, on n'oublie pas le bouton on-off qui s'enlève tout le temps les Wescro. Vous avez un petit sens très très up, rapide à mettre, voilà, dans ce sens-là. De toute façon, vous avez qu'un sens pour que ça puisse rentrer. Alors, tac. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. C'est celui-ci. Il fonctionne, oui. Parfait. Et après, on vient remettre... Voilà, hop, hop. On vient remettre la coque en place. Les grandes vis, on n'oublie pas les vis les plus longues que j'ai gardées de côté. Bien sûr, en format triangle, on prend le bon tournevis, vont aux quatre coins. Et après, au milieu, vous avez deux petites vis, une ici et une là, pour pouvoir terminer le boulot. Juste avant de finaliser et de mettre les dernières vis, je vais remettre la batterie de la Game Boy Advance. Je la maintiens. Je vais mettre un jeu. Je vais mettre Golden Sun, mon jeu préféré. Hop, on continue. On tient bien, bien sûr, la petite batterie. On lance l'écran. Et là, on peut voir une qualité de fou malade sur l'écran. Vraiment oufissime, les Wescro. Ça change complètement. Waouh, j'ai l'impression de jouer sur mon téléphone portable. La qualité est oufissime. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début de la vidéo, je vais vous mettre à la fin un écran comparatif. Et là, ça fonctionne super, super bien. Waouh, je vais me refaire tous mes classiques. J'ai tous les Final Fantasy, j'ai tout là-dessus. C'est abusé à quel point c'est joli. Waouh, attendez. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une espèce de point. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Un point blanc. Qui disparaît après.
Franchement, c'est impeccable. C'est vraiment impeccable, les Westcrow. Les noirs sont vraiment très profonds. Les couleurs sont très vives. C'est magnifique. Franchement, j'adore. Autre info, mais c'est pas obligatoire. Moi, je l'ai pas fait. Ce petit câble-là, en fait, après renseignement, vous pouvez le souder directement sur le bouton du rétroéclairage pour pouvoir avoir différents types de rétroéclairage. Moi, en toute honnêteté, j'en ai pas l'utilité parce que je n'utilise, j'utilise jamais la console sans rétroéclairage. Et là, de base, le LCD est déjà rétroéclairé. Donc, du coup, au lieu de modifier la console et d'aller souder la carte mère et de faire une grosse bêtise si on se rate, j'ai préféré ne pas le mettre les Westcrow. Les Westcrow, faites bien également attention lors du remontage de ne pas vous tromper. J'ai perdu la vis, ça a été dans ma main, elle est là. Je vous la montre à l'écran, je la prends hop avec la petite pince parce que vraiment ça là elle est assez compliquée à venir attraper quand vous avez des gros doigts. Et regardez, je vous le montre à l'écran en même temps, le focus ne se fait pas, mais la vis est complètement pourrie. J'ai foiré la vis, donc du coup je vais pas pouvoir remonter celle-ci comme vis, voilà, tout simplement. Donc la vis d'ici, bon c'est pas très très grave, c'est une vis de maintien, mais il y en a déjà 4, 5 tout autour, donc à mon avis ça devrait aller, ça sera pas bien méchant. On termine gentiment, on remet la batterie, hop, on vient récupérer le dernier capuchon Game Boy qu'on vient poser comme ceci. On se trompe pas de tournevis comme j'ai fait tout à l'heure, et là on vient visser la toute dernière. Une fois fait, j'ai remis déjà les petits capuchons en caoutchouc. Je récupère mon jeu préféré, je le remets dans la console. Et là, on n'a plus qu'à profiter les Westcrow. Tout à l'heure, il y a une petite tache jaune ici. En fait, c'était mon doigt. J'avais appuyé un peu trop fort. Elle a disparu maintenant. Et là, on peut venir profiter à fond, clairement, de tout le catalogue Game Boy Advance dans une qualité vraiment optimal, et ça fait vraiment super plaisir les Westcrow. Je vais vous laisser là, je vais me faire une petite partie de Golden Sun, je crois que je vais me refaire le 1, le 2 et le 3, et puis on se retrouve très très prochainement les Westcrow pour d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo là vous a plu, c'est complètement différent que d'habitude. J'aime les jeux vidéo, j'aime réparer aussi les anciennes consoles et tout, j'aime posséder, j'aime collectionner tout ce qui est relatif aux jeux vidéo, donc voilà, je tenais à vous montrer un petit peu mon savoir-faire. C'est pas très très compliqué à faire, mais voilà, ça demande un petit peu de temps, un peu de patience et beaucoup d'amour. Sur ce, les Westcrow, passez une excellente journée, je vous dis à très très bientôt. Salut la famille, salut les Westcrow, ciao ciao.